un détail qui a beaucoup diverti les internautes. Ce mercredi 22 mars, Emmanuel Macron était interviewé à propos de la très contestée réforme des retraites par Julianne Bugier et Marie-Sophie Lacaro sur France 2. Mais alors que le président exposait son point de vue, tout en dénonçant la violence de certains manifestants dans la rue et à l'égard des élus de la majorité, les téléspectateurs ont noté que le présentateur du journal télévisé de 13h de la 2 transpirait beaucoup. La faute au projecteur braqué sur le trio pour la retransmission de l'entretien? Sur Twitter, ces ne sont amusés en proposant d'autres scénarios. Quelqu'un pour envoyer une bouée à Julianne Bugier? Le pauvre homme se noie sous sa sueur, écrit une certaine Émilie. Julianne Bugier en sueur d'entendre autant de conneries à la minute, comment il est en sueur Bugier on dirait-il interview Poutine, peut-on aussi lire sur le réseau social. Une jeune femme ose une autre hypothèse, Julianne Bugier en sueur de se retenir de lui casser la gueule, ça sera ma version des faits. Concentré sur l'interview qu'il menait, le journaliste semblait tout de même souffrir de la chaleur sur le plateau, installé au palais de l'Élysée. Un ventilo please pour Julianne Bugier avant qu'il disparaisse totalement, a suggéré une autre internaute. Supérieur à supérieur à Léa Salamé, Pascal Pro, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes, Julianne Bugier et Marie-Sophie Lacaro en concurrence. Durant cette interview conjointe, un autre détail a interpellé les spectateurs. Marie-Sophie Lacaro et Julianne Bugier se sont en effet régulièrement coupé la parole pour interroger Emmanuel Macron. Si est-il la guerre entre eux ou c'est moi? Cesse-t-on ainsi questionné sur Twitter. D'autres ont tenté d'arbitrer le match entre les deux journalistes. Bugier est meilleur, pose les bonnes questions, Lacaro est à côté de la plaque, la pauvre, et a beaucoup de mal à s'imposer, analyse une jeune femme qui a partagé son point de vue sur le réseau social. La pitboule Madame Lacaro peut se calmer avec ses questions? Laisser parler est peut-être une solution. Ils sont deux, s'agace un autre téléspectateur. Mais Marie-Sophie Lacaro et Julianne Bugier sont-ils des rivaux? Il est vrai que depuis 2021, les deux anciens collègues sont désormais en concurrence à l'animation des JT de 13h de TF1 et de France 2. Mais à en croire le journaliste de France Télévisions, aucune tension n'existe entre eux. Je répète ce que j'ai toujours dit, Marie-Sophie Lacaro est une super fille, brillante, qui a toujours été une bonne camarade ici en interne, ce qui n'est pas toujours le cas. Elle est sincère et j'aime bien ça moi, les gens qui ne trichent pas. On s'entend très bien, garantissait ainsi Julianne Bugier à 20 minutes en fin 2021. Crédit photo, capture d'écran France 2.